STV, your TV. Spectrum Televiewers, welcome to this edition of Citizenship. Citizenship is a program that aims at educating and sensitizing both youths and adults of Cameroon on their roles and duties as citizens. Citizenship is equally a bilingual program which would have French as well as English guests. In the course of the program, we shall be giving you discoveries of everything you never came across in the world. Also, we shall be presenting reports painting a situation that we came across, painting a situation that everybody, including you, of course, experienced in the course of one or two things you might have come across. Citizenship is out there to educate you, to motivate you, because guess what? You are a Cameroonian and you are free to be free in your country. On our special focus, we shall be giving you some zebra crossing signs that filmed in the streets of the economic capital, Douala. Let's get this report. A zebra crossing, pedestrian path used in many countries around the world to structure movement of pedestrians and vehicles on the main road. White or yellow, these paintings are drawn in specific places for a specific purpose. In Douala, for instance, white paintings are drawn between two adjacent roads or at strategic points with a huge population. The zebra crossing, through similarities with markings on a zebra, is drawn to help bike and taxi drivers know exactly when to stop, that is 50 to 40 meters before the point, in order to prevent any accident. In some countries, the zebra crossing gives pedestrians permanent right of way if accompanied by traffic lights, and they have priority only when lights show green. In Cameroon, few are those who know the use of a zebra crossing. Some use it only in urban areas where it is found to cross the road when possible, given that roads of Douala are always busy. J'utilise le passage clôté quand je suis en zone urbaine pour traverser justement la route. J'emprunte la route sur le passage clôté. At some points, cars stop on the zebra markings to drop passengers, blocking access to pedestrians or even putting their lives at risk. Well, according to road experts, violation of the road code equals judicial punishment, particularly car owners. A zebra crossing with white stripes and no traffic lights means pedestrians have right of way always. As such, a driver must stop if he or she sees people waiting to cross. Lights, a mechanized system which indicates the pedestrians must only cross the road when the green figure is showing. Unlike pelican crossings, where pedestrians must push a button to start the system, as well as popping crossings using a machine to control when you can and cannot cross the road. Toucan crossings are controlled by lights. Not only can pedestrians cross at this point, but cyclists can as well, and are even permitted to ride across the crossing. Equestrian crossings are for horse riders and are usually wider than normal pedestrian crossings, accompanied by barriers on the pavement
to keep the horse and rider in a box until they are permitted to cross the road. Welcome back. You're watching Citizenship. Our guest of the day is Benjamin Eidi, an expert in road security. As I earlier told you, he is a Francophone, so the interview is going to be exclusively in French. Mind you, Cameroon is, of course, a bilingual country. Follow me. Let's meet our guest of the day. Simplement, le passage clouté est une disposition qui fait partie des dispositions du code de la route qui prévoit qu'il y ait un aménagement à une partie de la route pour permettre la traversée des piétons en toute sécurité. Premièrement, les passages cloutés peuvent se retrouver partout où il y a nécessité de les implanter en fonction du contexte des lieux. Quand on me dit ici en fonction du contexte des lieux, ça veut dire que quoi ? Et généralement, vous les retrouverez beaucoup plus dans les agglomérations. Pourquoi dans les agglomérations ? Parce qu'il y a un fort flux des mouvements des piétons, d'accord ? Étant donné que quand vous regardez le contexte d'une agglomération, l'agglomération est bordée d'un ensemble de bâtiments d'un point à l'autre, ce qui fait que les piétons, à un moment donné, peuvent vouloir se retrouver en fonction de leurs mouvements et des activités d'un point à un autre. C'est la raison pour laquelle, à des endroits où il y a une forte présence et une forte mobilité des piétons, on essaye de multiplier des espaces réservés pour leur traversée à ces endroits pour qu'ils puissent mieux savoir à quel point est-ce qu'ils peuvent prendre leur départ pour partir d'un point à un autre et qu'ils soient mieux vus par les automobilistes afin qu'eux également ils prennent des dispositions à l'avance pour pouvoir ralentir et qu'ils ne soient pas surpris par une traversée des piétons. Quelle est l'importance de ce passage clouté aux usagers de la route ? Il a une importance déjà, qui est à deux volets. Sa première importance, c'est déjà pour les automobilistes. Il permet aux automobilistes de faire quoi ? D'anticiper, d'accord, sur une éventuelle présence des piétons qui risque de couper leur trajectoire. Et à ce niveau, donc, ils prennent des positions à l'avance pour ne pas être surpris, étant donné que Ils se déplacent à une certaine vitesse, donc la voiture ne peut pas s'arrêter instantanément. Ça leur permet donc de faire quoi ? De modifier et d'adapter leur vitesse avant le passage, parce qu'ils risquent d'avoir un impact. Ça, c'est d'un. Et maintenant, il permet également aux piétons, d'accord, d'être en sécurité. Ils sont protégés déjà sur le plan de l'aménagement et ils sont également protégés sur le plan légal. Donc, voilà un tout petit peu son importance. Et également, il permet, c'est vrai qu'il permet également, c'est un regroupement, parce que les piétons, à ce moment donné, ils peuvent se retrouver à ce point, qu'ils soient un ou plusieurs, et traverser donc ensemble. Et à ce moment, bon, ceux qui ont parfois peut-être un peu peur et tout, d'accord, ils profitent un peu parfois de la présence des autres pour gagner en confiance et traverser en toute quiétude. Donc voilà. Vous avez dit sur le plan légal, ça protège le piéton. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un véhicule qui, par exemple, a un piéton sur le passage clouté ? C'est une infraction simplement. C'est une infraction au code de la route. Et cette infraction entraîne forcément des conséquences. Des conséquences sur le plan civil et sur le plan pénal. Donc le conducteur sur le plan civil, son permis, c'est une infraction qui le concerne directement, donc son permis déjà peut être retenu et il peut par la même occasion être amendé. Donc sur le plan tel que je t'entends dire, sur le plan civil, ça engage. En réalité,
ok, est à un endroit où il n'y a pas, par exemple, les feux, mais il y a plutôt une autre signalisation, comme la ligne stop ou la ligne CD passage, il est strictement interdit que le conducteur puisse se retrouver en arrêt et en stationnement sur le passage coutume. Ça, c'est strictement interdit. Mais par contre, il peut avoir un ralentissement de la circulation, d'accord, qui fasse en sorte que à ce moment-là, qu'il se retrouve déçu. Mais il est strictement interdit d'effectuer un arrêt, d'accord, et un stationnement déçu. À ne pas confondre avec un arrêt de circulation. Parce que les arrêts de circulation, parfois, c'est que la circulation n'est pas fluide. Maintenant, quand la circulation n'est pas fluide, le conducteur peut simplement être surpris, d'accord, par la circulation qui était devant lui et qui, à un moment donné, s'est arrêté brusquement. Or, lui, il était déjà engagé et il s'est retrouvé déçu. Maintenant, le comportement, c'est que si il a la possibilité de reculer sans danger, il doit pouvoir reculer, d'accord, pour qu'il ne puisse pas empiéter ce passage. Bon, maintenant, si ce n'est pas possible, ça reste dans l'appréciation des mouvements de la circulation. Et évidemment, il ne faudrait pas que ce soit un cas où la circulation était expressément bloquée et il est venu se retrouver dessus. À ce moment-là, non. Qu'on va le retrouver dessus, il n'y aura rien à faire. C'est une infraction. Bon, dites-nous, comment est-ce que le piéton doit utiliser le passage piéton? Simplement. Le piéton, en réalité, lorsqu'il y a les feux, ça c'est le premier cas de figure, lorsqu'il y a les feux, il doit pouvoir contrôler les feux, c'est-à-dire que la couleur des feux, le vert. Le bonhomme, il y a un bonhomme qui est dessiné en vert et il y a un autre bonhomme qui est dessiné en rouge. Lorsque le bonhomme est vert, le piéton doit s'apprêter, je dis bien s'apprêter, pas s'engager, il doit s'apprêter à s'engager. S'apprêter ici veut dire que le piéton en lui-même également doit faire quelque chose, c'est-à-dire qu'il doit utiliser sa latérale et sur le plan périphérique pour observer quels sont les dangers imminents avant de s'engager. D'accord? Et maintenant, lorsque le feu est rouge, il ne doit pas s'engager. Mais évidemment, comme je l'ai dit, il y a des personnes qui parfois ne se rendent même pas compte, ne se rendent pas compte qu'il y a des feux et qui leur donnent certaines indications qu'ils doivent observer. À ce niveau, il y a des personnes qui s'engagent en permanence. C'est donc aux automobilistes d'avoir le bon sens, de pouvoir évidemment leur céder le passage une fois qu'ils sont engagés. Tout compte fait, chaque fois que le piéton sera engagé dans un passage clouté, que le feu soit rouge ou vert, dans tout cas, il est protégé par la route. Le code de la route prescrit simplement que lorsque le passage clouté est à moins de 20 mètres, tout usager qui veut traverser a l'obligation de l'employer. Maintenant, lorsqu'il a plus de 20 mètres, vous n'êtes pas obligé de marcher pour arriver jusqu'à ce passage. Mais alors, il y a toujours des personnes qui ne le comprennent pas. Et évidemment, il faudrait qu'il y ait un travail dans ce sens pour pouvoir éduquer tous les usagers de la route selon les catégories. Parce qu'aujourd'hui, il y a également un code des piétons qui concerne l'utilisation de la rue et de la route. Les piétons ont également une autre voie réservée en dehors de la traversée. Ils ont une autre voie réservée qui est indiquée par une signalisation au sol, c'est-à-dire la signalisation horizontale. Spectateurs, ce sont avec ces amples explications données par notre expert en prévention et sécurité routière que nous mettons un terme à cette mission Citizenship. N'oubliez pas, le passage clouté est très utile pour toi, pour moi, pour tous. Bye bye! STV, your TV.